Bon, c'est cool. On avance bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Un ascenseur. Très bien. Je voulais voir ce que ça faisait. Effectivement, c'est efficace. Du coup, pourquoi on... Ça sert à rien, cet ascenseur? Qu'est-ce que c'est? Une corne. En voilà le bout. On peut souffler dedans? Sans savoir ça fait ce qui va se passer. Bah, on a poussé tous les boutons et tiré sur tous les leviers. C'est pas a faux. Croisé. Parce qu'on savait ce qui allait se comment passer. Comment va? Désolé, je regarde la fin de ma série. Cette oui, fois, pas de soucis, Nakomi me l'a dit va aussi. Va devoir développer ton instinct. Bon, continuons. C'est parti. Quoi? Pourquoi ça clignote? Atreus est plus sûr de lui lors des combats et peut désormais aider Kratos en attaquant physiquement les ennemis quand il voit une opportunité. Ses capacités peuvent être améliorées dans onglet compétences. Waouh, c'était raté. Ah, ils explosent, très bien. Non mais je suis trop puissant pour eux maintenant. Ah merde, c'est vrai, l'explosion. Eh ben non. Cette tour mène à la montagne. Avec un peu de chance, sait-on jamais. Bestiaire mis à jour. Pillards. C'était autrefois des pillards humains ordinaires, mais ils semblent avoir été corrompus par la magie de Saïdre. C'est cool, l'Atreus devient un vrai pro plus tu, un vrai pro plus tu avances. Bordel, je vais y arriver. Heureusement, ça n'avait pas resté un poids pendant tout le jeu, quoi. Ah! 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 Attention! Ah oui, effectivement, il se bat bien le petit là maintenant. Attention, ça va péter! Mais bordel, je voulais pas faire une roulette vers lui. Au goût de tout sorti, quoi. Dis donc. Attaque pas les gens comme ça. C'est quoi ça? Ça pue. Poison. Et paf, meurs gamin. Je sais pas, on dirait qu'il y a une sorte de... d'aura mystique qu'il faut geler. Les persos jaunes me font penser aux méchants dans Sin City. C'est pas faux. Ah oui, encore l'histoire un peu mythologie. Raconte-nous une histoire, garçon Atreus. Là, Atreus, il y en a un autre. Regarde, c'est le serpent monde. Ah. Il est beaucoup plus grand que je l'imaginais. Oh, regarde, il a mordu Thor. Ou il le mordra, plutôt. Merci de ton loot, Tsumeki. Je peux parler, ni pas? Hein, pourquoi? Le serpent monde s'étend dans toutes les eaux de Midgard. Serait-ce la seule créature assez grosse pour vaincre Thor? Je n'en reviens toujours pas que nous l'ayons rencontré. Eh oui, c'était un grand moment. Tiens, meurs! Oh! Salut! Nouveau type de coffre. Une salamande qui pue et fait des tunnels. Ah! Ouvrir le royaume de Muspelheim. Pourquoi pas? Il faut trouver les codes qui correspondent. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais c'était quoi exactement? L'odeur est épouvantable. Ta mère les appelait des poteaux d'infamie. Ils libèrent du poteau. Poteaux d'infamie. C'est elle qui m'a appris à les neutraliser. Quoi? C'est drôle de penser qu'elle ait pu t'apprendre quelque chose. Oh! C'est vrai. Ce gamin est insolent. Zone découverte contrefort. Nouvelle zone révélée. Wow. Il y a du brouillard par ici. Et merci de ton loot, Nakumi. Tout ça pour dire pouette. Bravo, merci. Est-ce qu'on... Non. Ne fais pas attention à lui. Excuse-moi, mais... où as-tu trouvé ce... Oh, par terre, au milieu de la neige. Je ne te regarde pas. Oui, je te le concède bien volontiers, mais je connais cette arme. C'est une de nos œuvres, mais... nous ne l'avions pas faite pour toi. Écarte-toi. C'est impossible. La femme pour qui on l'a faite, j'étais... Je suis très attaché à elle et je serais vraiment très chagriné si je devais apprendre que... tu lui as fait du mal.
C'était à ma mère. Ah. Elle l'a donné à mon père avant de mourir. Un beau loot, je trouve. J'approuve. C'était un test. J'allais pas écrire un pavé alors que ça risquait de ne pas fonctionner. Je suis vraiment navré de l'apprendre. C'était une valeureuse guerrière. Et une femme admirable. Très bien. Alors, je suis d'accord pour améliorer la hache. D'accord. Mais on te l'a jamais demandé. Il est tout petit, j'avoue. C'est vrai, mais... Il est à peine plus grand qu'Atreus. Connaissant ta mère, elle m'aurait supplié de réparer cet acte de vandalisme perpétré contre sa hache par mon frère. J'en étais sûr, t'es le frère de Brock. L'autre moitié de la marque est ici. Ils sont juste à côté. Le nabot bleu est ton frère. Oui, mais je suis bien plus talentueux, je te le jure. Sur la tête de Freya. Améliore-la. Ne dénature pas son travail. Contente-toi de le perfectionner. Oui, yes. D'accord. Mais tu peux la poser par là-bas. Le manche non. Est... Oui, il y a un petit peu de sang, comme mais bon. Comme tu voudras. Je vais simplement... Oh, c'est du sang séché. Oh. Sur quoi tu travailles? C'est une arme. Ça, elle est faite pour blesser les gens. Le pic de cette montagne procède une quantité de ressources rares. Quand je l'aurai creusé, il me faudra les redescendre. Et tu sais comment le réparer? Je n'en ai pas la moindre idée. Ce fut rapide. Du coup, est-ce que tu as vu la vidéo du réalisateur de God of War? Il lit les critiques de Metacritic. Oui, j'ai vu celle où ils font en larmes. En même temps, ça se comprend, quoi. T'as bossé comme un fou pendant 5 ans dessus et t'as toutes les critiques qui retombent qui sont bien positives. Sûr que ça fait plaisir, quoi. Forcément. Pourquoi le monsieur est pas bleu? Peut-être parce que lui, il savait respirer à la naissance. Je ne sais pas. Je pense que la maman de ces deux-là a pas été très fidèle. Sérieusement. Merci Sindri. Touche pas. Quoi? J'ai rien fait. Pardon. Je reviendrai plus tard. C'est bizarre quand même. Et du coup, on commence à avoir un petit bout de lien entre les anciens God of War et celui-ci. Puisque la hache, qui est donc typique de cette mythologie, était à la mer. La mer d'Atreus. Donc on commence à voir le petit lien. Merci ton loot, Snipa. Qu'est-ce que je peux faire? Bah dis-moi, pierre de résurrection. Les pierres de résurrection sont disponibles dans les ateliers. Oh, ça me sent... Je sens que ça va me plaire. Acheter des pierres de résurrection pour permettre à Atreus de ressusciter Kratos. 10 différents types de pierres de résurrection, mais Atreus ne peut en détenir qu'une à la fois. Pour acheter un autre type de pierre, vous devez vous défaire de celle qu'il transporte. Ça coûte que 1000? Mais c'est cheaté. Il a peur des microbes. Il est jamais malade, c'est pour ça qu'il est pas bleu. Pierre magique qui ramène Kratos à la vie avec une petite partie de sa santé appuyée sur carré quand Kratos meurt pour qu'Atreus le ranime et qu'il reprenne le combat. Vous ne pouvez transporter qu'une pierre de résurrection à la fois. Ok. Une pierre de résurrection apparaîtra ici. D'accord. Mais du coup, oui, je peux toujours pas l'améliorer. Oula, oula, qu'est-ce qui se passe? Allez hop, one shot. Aïe! Toi t'as plus de bête. D'où me venait l'attaque là? Oh non, il y a les serpents bizarres là, les serpents chats. Il est mort? Non, je m'en doutais, il était pas mort. Il est où l'autre là? Va-t'en! Dis donc. Attends, il est où? Oh, vas-y. Meurs.
Il y en a combien là? Calmez-vous les gens. Non. Arrête. Voilà. Les siens mis à jour. Ils attaquent en créant des sorts explosifs avec la magie du Saïdre. Nous devons nous jeter sur eux avant qu'ils n'y parviennent ou bien essayer d'en réchapper. Du coup, on gère mieux les combats hein, avec quelques améliorations. On voit bien l'impact qu'elles ont justement, ces améliorations. Ils se sentent vraiment plus forts à chaque fois, donc c'est plaisant. Parce qu'il y a des jeux où tu débloques des améliorations, mais au final, ça fait rien. Alors que là, ce n'est pas le cas. Ah, d'accord. Faut jouer avec ces petits moulins pour découvrir les bons symboles. Alors ici, on a eu le 3. Il nous manque le triangle sur le côté et le B renversé. Enfin, le B inversé. Le 3, on l'a déjà. Le triangle sur le côté, très bien. Ah, d'accord. Et le symbole est caché. Qu'est-ce qui nous manquait? Le B renversé, là. Enfin, sur le... Oh, non, ok, donc va falloir que je vois... C'est pas celui-là. C'est celui-là. Normalement c'est bon. Eh oui. Oui. Ah la corne d'hydromel sanglant. Pour augmenter la rage max. Rage max. Là. Mais pourquoi donc? Ouh! Brassard des arcanes. Ah, on peut trouver des armes, enfin des équipements comme ça aussi. Objet commun, production des armes en bas. Les symboles runiques de cette armure simple améliorent la récupération. Ah ouais, mais il est moins bien. Genre beaucoup moins bien. Donc non. Ok, elle est là. Laisse-moi le temps! Aïe, aïe, aïe. Comment il a foutu une belle patate. Allez hop, moi aussi je te fous des patates. Allez hop, je t'enchaîne. Vise mieux, voilà. Oh mais non. C'est pas du jeu. Reviens là. Sors de ton poison. Elle est pas morte. Ok, c'est bon. On se calme, tout va bien. Pas mal, hein? Concentre-toi. On va voir ce qui nous attend plus loin. À mon avis, il va y avoir un gros combat, mais je sais pas si on le fera. Tu pourrais me laisser la porter sur la fin? Je t'ai déjà dit non. Pourquoi? Je tenais plus à elle que toi, de toute façon. Quoi? Ouh. C'est juste que je passais plus ça de balance. Temps avec oh, elle. Salut. T'étais souvent à la chasse. Tu ferais mieux de te taire maintenant. Allez hop, un loup en moins. Ça c'est fait. Merde. Va-t'en, voilà. C'est tout? Non, ça va pas être que ça. Bestiaire mis à jour. Loup venimeux. Il y a des loups agressifs, mais ceux-là sont d'un autre niveau. Un autre genre de mâle. Ils crachent une sorte de poison dans lequel il faut éviter de marcher et sont encore plus hargneux que les loups enragés. Je pense que c'est leur rendre service que d'abréger leur souffrance. C'est si gentiment dit. Alors faut casser ça. Yes. C'était bien ça. Sauf que du coup je peux pas l'atteindre. C'est un autre mystère. Eh oui, voilà. Oh, on aime bien tout défoncer, hein. Ah. Couvre épaule des arcanes. Les symboles ruinés des armures améliorent la récupération. Mais c'est moins bien. Beaucoup moins bien, donc non. Allez hop, un autre coffre encore une fois. Merci de ton loot, Snipa. Ceci est un loot très sympathique, effectivement. Merci beaucoup. Charge de l'ours blanc. Attaque runique rapide. Attaque de charge rapide suivie d'une frappe. Kratos est protégé pendant la charge. Ça me semble pas mal, ça. Ouais, si, ça équivaut au baiser de L, mais avec une charge avant, quoi. On va se la mettre. On verra bien. Merde, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Quel con.
Bon, continuons vite fait. Déplaçons ce rocher. Eh ben salut toi. Mais ils parlent tous en fait. Ouh. Ah c'était bien joué. Il est en train de nous manger le bras. Vas-y Atreus. Oh yes. Bien joué petit. Oula, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, ça va. C'est juste 4-5 ennemis, tout va bien. Oh merde, lui qui se réveille. Oh non. Ah, ça c'est moche par contre. Oh oui. Salut. Ah, puis ils sont plus résistants. Non. Quoi, il me balance des ennemis à la tronche, mais tu te fous de ma gueule. Hop là. On se casse, ça va péter. Mais calme-toi, toi. C'était le bras ou le gosse, c'est pas faux. Ça va bien. Je gère. Ça va péter. Quoi? J'ai esquivé. Bon, tu sais quoi? Hop là. C'était un beau sacrifice. Je peux pas vraiment le diriger. Bon, on l'a bien fait mal. Quand même. Après ça va, il y a un truc de vie qui m'attend sur le côté. Mais d'où? Allez go. Faut pas que j'oublie que j'ai mon attaque de zone aussi. Allez hop, attends. C'est bon, on peut revenir sur lui. Quoi? Non mais oh, je te permets pas. Pique, 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 pique. Aïe. Je sais pas si j'ai bien fait. Ah, c'est bon. Et voilà. C'était un ogre. Merci ton loot, Tsumeki. Ton hoi, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Flamme de glace. Ah, j'en avais besoin pour améliorer la hache. Ça, c'est cool. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça me l'avait été. Enchantement qui améliore la force et les runes de 3. Ah, ça, c'est bien. De la vie et... de l'acier doux. Non, je veux pas descendre. Bon, bah, c'est parfait. On va pouvoir s'arrêter juste devant cette porte, du coup, c'est tranquille. Bestiaire mis à jour. Les ogres. Grand, puissant, furieux, mais heureusement pas très intelligent. L'ogre est un des ennemis les plus laids qu'on ait affronté. Ses grands bras lui confèrent une bonne portée et lui permettent de produire des ondes de choc en frappant le sol. On avait vu. Ah bon, du coup, je vais mettre l'enchantement là-dessus. Ah ouais, la force et les runes, ça c'est cool. Là, les fesses en sang. Bon bah c'est cool ça, on est bien content, on a réussi à gérer le combat, tout va bien, on fait des petites roulades, on est content. Et on s'arrête devant cette porte. Voilà.